Hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va bien pour vous parce que pour moi ça va très bien. Donc voilà, un petit épisode de Black and White 2, épisode 16. Lance des armes, des arbres, n'importe quoi, toi. T'es devenu cruel, hein, un peu trop même. À mon goût. On va placer des. Leur cité est réellement phénoménale. Si on va placer des maisons dedans. Terme, leurs mensonges vont réussir à nous priver voilà. De toutes nos forces. Allez. Non, mais j'aimerais bien que vous dégagez par contre. Voilà, c'est parfait. Voilà. Près du centre-ville, apparemment, c'est pas très bien. Bah, écoutez, hein. Vous allez faire avec un peu, vous allez pas me péter les coucougnettes. Il y a l'armée qui attend devant là. Bon, qu'elle attende, elle va pas me gêner jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'installe? Des remparts, ils me disent. Des remparts, ça me fait rigoler. N'est-ce pas? Naissance. Alors, on fait venir. Non plus. Là, c'est bon. Merci. Alors, on va faire venir une domaine ici pour faire grandir la zone en même temps. Voilà. Est-ce qu'on peut les mettre? Non, on peut pas. Ah, c'est ce que je me disais. Ça aurait été un peu trop cheaté, comme on dit. Hop. Allez, allez. Non plus. Ok, c'était là l'entrée. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on va faire. J'hésite à faire cette quête-là. Il est temps que nous passions. J'hésite à soit faire cette quête-là, soit essayer de nous maximiser pour un. Et pour tu peux te taire, s'il te plaît? Merci. De toute façon, tu m'attaqueras jamais parce que tu le verras jamais. Alors. Il nous faut des marchés aux plantes. Hop, on va les mettre un ici. Alors comme vous pouvez le voir, vu que je suis très bien apparemment, je suis à combien? Je suis à 88%, ce qui veut rien dire. Les conneries que je fais. Enfin bref, y a des fleurs partout. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a des fleurs partout. Hein. C'est magique, c'est beau, c'est bien, c'est voilà, c'est le bien quoi. Enfin bref, moi je suis pas trop fun, mais bon. On va faire un ici. Ouais, comme ça, ils seront contents. On a 39 possibles. On a 163 000. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Ce serait bien d'avoir une merveille. Waouh, 1 million. Celui-là, c'est celui qui est le plus impressionnant et. Le plus impressionnant et le plus chouette. Hein. Le volcan, il te détruit un village, mais. Waouh! Ah bon, vous verrez ça pour plus tard. Enfin, je crois que ouais, de toute façon vous l'avez vu en action dès le début de ce truc. Ici on a des livres disponibles pour 1000 offrandes. On en achètera quand on fera. Bah tiens, ça c'est l'âge des dieux. Les missionnaires. Ouais, enfin on verra. Donc qu'est-ce que je pourrais acheter qui serait utile? Une garderie peut-être? Pour essayer de faire augmenter la reproduction, je ne sais pas. Une fosse à torture. Un vin de prestige. Il est parfois utile de disposer d'un lieu qui, grâce au puissant pouvoir de persuasion de la peur et de la douleur, permet de mieux faire comprendre aux autres votre point de vue. Arrête de me couper la parole comme ça, t'es chiant, je vais t'en foutre une. Arrêtez de me mettre des miracles dans la main là, c'est n'importe quoi, ça peut rien dire. Miracle de bouclier, ça peut être bien. Miracle de météore. Je crois que c'est des météorites carrément qui viennent tomber. Ouais, bah, voilà, c'est des trucs complètement. Voilà. Je crois que j'ai plus grand chose à acheter. Hein, niveau bâtiment. Donc, à part faire prendre un atelier et une garderie, je vois pas trop. Ah oui, pour la créature, tiens, c'est vrai. La créature, ouais, c'est 250 000, c'est quand même cher. On va lui faire faire le miracle de feu. On va faire le miracle de feu, voilà.
Mirac de feu, et on va lui. Et on va prendre quelques bâtiments, dont la garderie. Et l'atelier, ben on verra plus tard pour l'atelier. Déjà, on a acheté le miracle de feu pour la créature, ce qui va être très serviable. Donc là, il y a une immigration qui s'est fait avec 6000 de nourriture et 1000 de minerais. Et moi, je suis en train de bâtir. Voilà. Alors, ils veulent directement du coup que je fasse une garderie. Il n'y a pas de souci. C'était le but de ma manœuvre. Alors, on va essayer de grappiller un peu l'espace. Alors, attendez. Hop. Voilà. Faut pas hésiter à vouloir grappiller l'espace. Voilà. Les enfants, c'est l'avenir. Mais il faut bien s'en occuper. Voilà pourquoi il y a une garderie. Alors, je crois que ça demande que du bois, non? Ouais, que du bois. Donc, on va leur préparer. Ah, mais putain, j'ai plus beaucoup de bois. Oh, oh là là. Mais alors, mais qu'est-ce que vous foutez? Eh, le forestier là! Y'a pas de forestier! Vous foutez quoi là? Qu'est-ce que vous foutez ici là? Un groupe d'immigrants attend à la frontière. Allez, on va les faire faire forestier. Disciple forestier. Voilà. On va essayer de faire quelques reproducteurs grâce à ces immigrants et quelques forestiers en plus. Allez, venez, venez. On va essayer d'attendre qu'eux ils s'avancent un peu plus parce que sinon ils seront trop choqués de par voilà. Par le fait que je les prenne tous. Oh, regardez-moi ça! On n'a rien d'autre à foutre que de s'éblouir. Alors, on va faire quelques reproducteurs. Disciples reproducteurs. Voilà. Et quelques forestiers du coup encore. Disciples forestiers. Et un ou deux mineurs au cas où. Disciple mineur. Voilà, 4. C'est bien. C'est très très bien. Faut que je surveille un peu tout ça là. Hop. Disciple reproducteur. Voilà, reproducteur. Nous allons faire notre maximum pour que ce village se perpétue au maximum. Donc. Ah oui, mais j'ai déjà construit un. Ok. Allez, allez. 400 mètres alors, et la créature construit. Voilà. Ici, semble là, c'est bon. Elle est construite la créature là. Qu'est-ce que tu fous? T'es où? Ah, t'es là, t'arrives. Ah, bah alors. Grouille-toi, on t'attend. Ah, bah oui, mais bon, voilà, tu veux te faire désirer. Voilà, tu fais ce qu'il faut. Hein? Allez, vas-y, construis-moi ça. En attendant, moi, je bois mon petit café sous ce spectacle ravissant. Oui, je tourne ça le matin. Hein, j'ai dormi un peu cette nuit après mon live. Enfin, j'ai dormi. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Si vous voulez savoir de quel YouTuber je regardais, c'était les Benzai Live, son playthrough sur Styx, qui est vraiment bien. Ce qui est dommage qu'il ne l'a pas terminé. Mais bon, voilà, du coup, j'ai essayé de dormir. J'ai dormi une heure, même pas. Et j'arrivais pas à me rendormir. Et du coup, c'était chiant. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Je croyais qu'il allait lancer une boule de feu. T'es chiant à déraciner ces arbres, là. Qu'est-ce que tu as? T'as quoi, aujourd'hui, à déraciner des arbres, comme ça, en mode rien à foutre? Non, mais plante-le, l'arbre. Tu vois pas que je... Non. Il ne veut pas planter l'arbre à côté de la série. Ce qui m'énerve un peu. Hop. Bon, par contre, t'es un peu chiante à faire ça. Je commence à fatiguer. Oui, mais arrête de te fatiguer à faire des conneries. Non, mais arrête. Donne-moi ça. Et arrête un peu tes conneries. Je vais t'en foutre une, hein. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, mais t'es débile, hein? Mais merde! C'est quoi ça? Ah, vite, vite, de l'eau!
Putain, perte de production de bois là. Arrête tes conneries un peu. Si je te donnais ce miracle, c'est pour autant de l'utiliser face au... Merde. Merci. Arrose les arbres, arrête de les détruire. C'est bon. La créature qui est en train de me faire devenir folle, elle est en train de me faire rager, c'est un truc de fou. Attends, j'ai dit folle ou fou? Oh, je viens de me parler de moi au féminin. Oh là là, mon dieu. Gami est une femme, nous ne le savions même pas. Un 644. Il me faudrait du bol. On va prendre tout cela là. Ah là, merci. Punaise, enfin, ça sert à quelque chose. Tiens, va construire un peu ça. Votre mort. Ouais, parce qu'elle a mis une boule de feu en plein dans leur gueule. Que ces animaux connaissent l'art de la guerre. Comment est-ce possible? Hop, voilà. On va éteindre maintenant. Voilà. Bah dis donc, elle me sert bien cette créature du coup. Avec son... Voilà. Bon. Je ramène un peu de bois à l'entrepôt. Tu peux le construire alors, s'il te plaît? Oui, oui. Arrête de mater un peu tes griffes. Tu meurs de faim. Alors, attendez. Parce que vous produisez très, très lentement. Hein. Hop. Et de la pluie. Allez, allez. Je viens de trouver un nouveau glitch. C'est ça? Non. Ok. Bon, ils vont ramasser le petit grain. Bon, ils sont assez grands, les villageois. Alors. On va ramasser tout le bois ici, on va le mettre dans l'entrepôt. Avant qu'il le mette dans, l'autre entrepôt. Qu'est-ce qui se passe dehors? Je crois que c'est la saison des chasses. On est dimanche, mais bon. Ok, hein, y a pas de souci. Ok, ok. Bah, je crois que tout est bon là. À peu près. Je crois qu'on a fait à peu près tout le tour. Faut juste qu'ils bâtissent, etc. Comme d'hab. Toutes ces conneries, quoi. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Les Grecs aveuglent de plus en plus notre peuple. Quoi? Ah bon. Nous avons conquis une ville. Youpi. Wouhou. Alors. Hop. Hop. Nous allons construire une domaine par ici. Le domaine est très content d'être ici, donc on va essayer de maximiser la place. Voilà, comme ça au moins, qu'ils me disent pas qu'ils ont pas de maison. Hein. Voilà, tout est à peu près bon, je pense. On va foutre juste un qui est juste là. Alors, ce qui est bien avec ces routes là, regardez, je vais vous faire un petit test, enfin un petit truc. Parce que par exemple, on peut on peut s'en servir un peu comme, vous voyez, des pavés centrales. Et quand j'étais gamin, je m'amusais souvent à faire ça. À les faire grossir un peu, pour que ce soit des plus jolies routes. Et genre, je passais des heures sur ça alors que ça servait complètement à rien. Mais bon, ça m'amusait. Voilà, c'était un anecdote complètement pourri, mais bon. Ah, ils veulent une garnison. Ouais, c'est un peu normal, ils veulent qu'on se déforme un peu. Le problème c'est que si je fais ça, ouais. Pas content, pas content, pas content. On va les mettre un peu ici. On s'en fout que les remparts soient pas contents. Que la puissance de l'ouragan fasse l'œuvre de nos sabres. Non mais t'es sérieux? Les garnisons transforment les hommes en guerriers. Impitoyables. Impitoyables. Vous savez pas de quelle chanson ça vient. Je suis désolé.
J'ai construit votre garnison de merde là maintenant, vous allez me laisser tranquille un peu. Donc on va aller faire la petite quête ici, vu qu'on ne sait presque rien passer. Abreuve l'âme de nos terres. J'aimerais bien qu'il se taise au moins une fois à jamais. Cette ville est pestiférée. Il faut faire quelque chose. Dissipez ce mal avec votre main. Les habitants pourront migrer dans notre ville si vous les impressionnez assez. Voilà. Alors. Alors là, c'est un truc très très dur. Voilà. Allez, allez. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Hop, hop. Voilà. Parce que vous allez voir que c'est pas si facile que ça. À moins que j'y arrive du premier coup et que du coup, ça va rien dire. Allez, il faut aller assez vite. Parce que je me rappelle que quand j'étais gamin, c'était pas marrant. Parce qu'à chaque fois, il y en avait bon un qui travail. Était... Quoi? Déjà? Maintenant, impressionnez-les pour qu'ils nous rejoignent. Non! Envoyez une armée! On les aura par la force. Tu rigoles, mais j'hésite en plus. Allez, il y a 40 000 d'offrandes d'offert, comme ça, gratuit. Alors... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils prennent ils font leur camp, comme ça. Ils sont tranquilles. Ils sont posés, hein. Alors... C'est un arbre gâché pour rien. Là c'est mieux, voilà. Ah, je comprends pourquoi il avait mis l'arbre avant, ok. C'est un moyen technique. Par contre, il déteste les garnis, les trucs, j'adore ça. On va voir ce qu'elle fait. Je vous emmerde. Et je rentre à ma rayon. Nous partons sur le champ. Changez. Attaquez. Oh putain, non, non, n'attaquez pas, partez. On rempart. C'est bon. C'était une diversion, ha. Vous êtes fait eu. Votre mort. Et... Ouais. On dirait que ces animaux connaissent l'art de la guerre. Voilà. Comment est-ce possible? Je m'amuse, je suis désolé. Il va falloir la faire dégager cette maison là. Ça sert complètement à rien. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire de plus du coup, vu que la quête en fait a été vachement courte. Je m'attendais pas à ce que... Ah oui, si, je vous avais mis la quinte sur cet épisode. Sur l'épisode précédent, je m'en rappelle, ça y est. Parce que moi, il y a quelques jours qui se sont passés entre. Et c'est vrai que je vous avais dit qu'on allait faire cette quête là. Et bien en fait, on va la faire. Voilà, là on a découvert une marque. La voilà. Regardez, il y a un texte ancien. Je vais le traduire. Il y est écrit à la base de l'arbre solitaire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est tout simple, vous allez voir. Alors, oui, du coup, l'épisode durera 30 minutes, hein, vu que je vous ai fait attendre cette quête-là. Ça se peut, je vous ai mis bien mis la quinte et tout. Vous vous dites, oh là là, putain, il va y avoir un putain d'épisode et tout, ça va être marrant avec tout ça. Eh ben non, Gamy, vous troll. Je crois que c'est par là. Ouais. Gagné. Nous l'avons trouvé. La fenêtre. Rassemblez-vous, je vais traduire. Il est écrit que quand le soleil est endormi, le rocher solitaire détient la clé. Une véritable énigme. Bon, c'est tout simple, hein, les énigmes, franchement. Donc, dit quand le soleil est endormi. Le soleil est endormi. Donc, ici, il fait dodo. Le rocher solitaire détient la clé. Alors, il faut juste trouver le rocher après. C'est ça, hein, c'est le rocher solitaire, je sais pas quoi. Hein. Il est écrit quand le soleil est endormi, le rocher solitaire détient la clé. C'est bien ça. C'était pas par là. Non. Hmm.
Alors. J'aime bien le caillou qui... Alors... Mais il est où ce rocher? Il détient soi-disant la clé. Mais je croyais que c'était celui-là, moi. Il est tout seul. Et puis en plus, on peut pas le bouger. Ah, ben c'est bien celui-là. C'est bien ce que je me disais. Oui, nous approchons du but. Voyons ce qu'il y a écrit. Trouver le point reliant les tâches passées. Une énigme difficile. Alors, trouver le point reliant les tâches passées. Le point reliant les tâches passées. Donc, je vous laisse un peu deviner. Moi, je crois savoir à peu près. Donc, voilà, en fait, si on fait le triangle, le point, à mon avis, il est par là. Qu'il est par là. Mais le caillou qui a fait la flotte. Bon. C'est pas par là? Je croyais que c'était par là. Non. Ça ne peut pas être là vu que. Alors, attendez, je relis l'énigme. Alors, voyons ce qu'il y a écrit. Trouver le point reliant les tâches passées. Trouver le point reliant les tâches passées. Je recule un peu pour... Non, c'est celui-là que je veux que tu relises. Trouver le point reliant les tâches passées. Ben, ça dit, moi, ça me ferait pas dire par là, non ? Par là. J'aurais été sûr que ça aurait été par là. Mais on peut pas blesser les humains, hein, et encore parce que vu les bordels qu'on peut foutre, regardez. Dégage tout. Je vais éviter d'aller regarder sur internet, faudrait que je me... C'est pas là? Bah si, c'est là, mais j'avais gratté tout à l'heure. Bon, ça a dû être un petit bug. La voilà, la dernière rune. Elle montre le chemin menant aux ruines. Suivez-moi. Ils se sont fait chier quand même à faire les voix pour les marmonnements. Nous y voilà. Les ruines doivent se situer sous ces imposants rochers. Il nous faudrait la force d'un dieu pour les déplacer. Impossible d'examiner ces ruines pour le moment. Les immonnaies. Déplacer ces rochers, patron. Je me demande si quelqu'un finira par s'intéresser à ces ruines. Bah oui, moi. Moi, je m'y intéresse. Ouh. Yeah. Wouhou. On va arracher l'arbre parce qu'il va gêner pour la suite. Hop. Hop là, voilà. Et voilà. Les voici, les ruines de Zantora. Oh, je ne pensais pas que ce jour arriverait. Je peux mourir heureux. Bon alors, c'est pas grave si on l'explose, hein, boss. Bien joué, patron. Vous avez rendu service à la communauté archéologique. J'aime bien l'être. Bon, c'est pas grave si on le fait exploser alors. Vu qu'il est mort, vu qu'il peut mourir heureux. Un boss. Alors. Vous savez que vous me gênez en ce moment même. Ah, bah la créature veut s'en occuper. Non. Elle fait semblant. Alors. Casse-toi l'arme. Allez, mourrez. Yep.
Seul survivant, voilà. On va refaire apparaître les petites fleurs. Non, on peut pas. Alors. Hop là. Et voilà. On va regarder le caillou pour mademoiselle. Je sais pas pourquoi je considère que c'est une femelle. Enfin bref, c'est pas grave. Ah, garnison d'archers. Intéressant, dis-moi. Alors j'aime bien un garnison à côté du garnison, ça baisse le. Ça veut rien dire. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, on va reculer au maximum qu'on peut. Le maximum, j'ai dit. Ouais. Hop, et voilà. Alors juste pour voir combien d'hommes j'ai de disponibles. 55, waouh. C'est cool, on va pouvoir faire beaucoup d'archers du coup après. Alors, j'ai pas mal de nourriture, mais j'en voudrais plus. Plus de fermiers. Disciple fermier. Travailleur, ok, il y en a 3 sur 12, il va falloir que je refasse des raffineurs. Et je vois qu'on est bientôt à la fin de l'épisode, on en est à 26 minutes. Ah punaise, mais il y en a des gens de libre là. Waouh. Et les gens là. Et personne. Qu'est-ce que vous foutez à rien foutre? Mais il y a beaucoup de gamins surtout. C'est pas grave, on les jettera. Alors. Vous me croyez pas hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disciple raffineur. Oh merde! Merde! Non, je voulais pas tuer tout le monde! Je voulais juste que j'étais le gamin! Quel terrible gâchis de vie humaine! C'est pas moi, j'ai un albi, j'étais au cinéma! Et merde! Mais zut! Bon, vous allez travailler. Je voulais juste jeter le gamin, il me gênait, il était dans ma main! Bah oui, mais comprenez-moi, merde! Vous me gênez, les gamins! Hein. Vous inquiétez pas, ils vont arrêter de crier, je crois, au bout d'un moment. Ils en auront marre. Alors, donc, je disais... Oui, bah c'est bon. C'est bon. On a compris, fermez vos gueules, sinon je continue à vous en foutre. Qui c'est qui crie, là, que j'en fous une? Bon, vous voulez être adorateur? Bon, hein, bon, on va vous faire officiellement adorateur. Adorateur. Comme ça, vous allez pas me péter les... Hein? Voilà. Bon, on va s'éloigner un peu du village, hein, parce qu'il me pète un peu les coucougnettes. J'ai fait une bourde, je l'avoue, j'ai fait une bourde. C'est que j'espérais juste jeter le gamin, et j'ai jeté tout le village. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà, du coup, il reste ici. Voilà. Porté comme des pics. J'aime bien les assistants, les gueules des assistants juste à côté. Tu crois qu'on va bouger au bout d'un moment? Chut! Tu vois pas qu'il est en pleine extase? Oui, mais quand même, j'aimerais bien bouger un petit peu au bout d'un moment, quoi. Chut! Ta gueule! C'est beau! C'est beau! Bon, bref. My god. C'est bon, ils ont arrêté de crier. Oh, j'imagine qu'il faut mettre un cimetière. On va faire un cimetière pour les morts. Allez, on va faire un cimetière pour les morts. Vous allez être contents. Oh, fermez vos gueules. On va s'éloigner un peu du village. Autant pour vos oreilles que pour les miennes. Alors, attendez, je trouve pas le cimetière. Tu sais, parce que vous savez, genre, il y a plein de morts d'un coup, et après, t'as Dieu qui te fait spawner un cimetière. C'est pas un message, tu sais. Non, il y aura pas d'autres morts. Non, c'est pas vrai, non. Non, c'est pas vrai. Hop, voilà. Les Grecs ont un cimetière. Ils en auront besoin. Ouais, parce qu'il va falloir les enterrer, vos morts. Vous allez nous faire gaspiller des trous aussi. Bah, vous allez nous pourrir nos herbes. Hein. Ça, ils ont arrêté de crier, je crois. Encore quelques-uns qui persistent hein, à crier.
ils veulent se prendre des clés. Mais c'est pas vrai, mais vous me cherchez, c'est pas possible. Mais attendez. La créature qui arrête pas de jeter des arbres. Parce que c'est la fête. Allez, cassez-vous! Allez, allez, voilà, merci. Alors, par la force de Dieu, qu'est-ce qu'il faut la reproduire ici? Je vais faire quelques adorateurs aujourd'hui. Yop, un bébé. Est-ce que ça crie encore? J'ai plus l'impression que ça crie depuis que j'ai posé le cimetière, c'est plutôt cool. Alors, ils veulent que je refasse un autre garnison d'archers. Ah non, il est pas fini de construire pour ça. Ok. On va prendre quelques bois. On va finir ça. Voilà. On va le finir à la main parce que ça ira beaucoup plus vite. On va arrêter de me le demander comme ça. Et voilà. Genre people. J'ai mis people ce qu'il fait. Putain. GG moi. On va faire des archers, ça va les faire EP à chaque fois du coup, dès qu'il... Voilà, 60 archers... Non. Alors, casse-toi, lâche. Non. Mets-toi là. Non. Mets-toi là-bas, là. Tu me gênes. Non. Non. Pas ça que je voulais faire. Dissoudre. Ok, donc je veux faire deux camps d'archers de 30. Est-ce que c'est difficile? Voilà. 1 de 30. Voilà. Et un autre de 30. Et après, on fera des soldats, etc. On va augmenter notre armée, ne vous inquiétez pas. Et on fera des batailles épiques. Ok. Bon, ça va venir fort à mesure. Alors, il nous faut des maisons. Nous demande le village. On va lui donner ça. Sauf que, en fait, ça, la zone n'est pas super grande, hein. N'est-ce pas? Voilà. Hop. Voilà. Hop. Là. Alors on va faire agrandir la zone un petit peu et on fera popper peut-être un amphithéâtre. Je sais pas, c'est quoi? Ah, une maison de retraite qu'ils veulent. Ah. Ok, pas de soucis. Par contre, je sais pas où je vais le foutre. On va agrandir un peu ici. Est-ce qu'on peut? Hop, alors est-ce qu'on peut foutre une maison de retraite par là? Je ne sais pas. Ils veulent pas. Ici, il va bien. Voilà, comme ça, au moins, ils seront dans un endroit plutôt tranquille. Bah oui, il faut. Ah, bah on est à 33 minutes d'épisode, donc il y en a certains qui seront contents. Je vous dis à la prochaine. Donc, on se redonne rendez-vous pour l'épisode 17 de Black and White 2. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ça, tout ce bordel-là. Je vais arrêter de le dire à chaque fin d'épisode parce que ça commence à me saouler de me répéter à chaque fois. Donc, de toute façon, vous avez l'habitude parce que je dis ça à chaque épisode et j'en ai marre. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous aime tous. N'hésitez pas aussi à checker ma chaîne Twitch, hein, parce que je sais encore qu'il y a encore quelques abonnés YouTube qui ne veulent pas aller sur ma chaîne Twitch. Enfin bref. Et likez mon Facebook et mon Twitter pour savoir les sorties de vidéos dès que j'y sors, etc. Surtout sur mon Twitter, ça se fait automatiquement, donc ça c'est plutôt cool. Enfin bref, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Aimez-moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tant que je vous fais du plaisir, ça me fait plaisir, vous le savez très bien. Je vous dis à la prochaine. Et au plaisir, hein ma créature, le plaisir. T'aimes le plaisir toi? Oui, t'aimes le plaisir. Dis que t'aimes le plaisir. Fais un petit oui pour dire le plaisir. Oui, t'aimes le plaisir. Oh oui, ma grande.